Bonjour les petits loups, voilà j'ai deux morceaux de viande là que je vais enlever. Moi je fais comme ça, je prends la viande, je les mets sous plastique là, je les laisse décongeler et ensuite je vais les couper. Voilà comment je procède. Voilà, je prends mon morceau de viande. On va faire un petit tagine super facile avec très peu d'ingrédients. Le plus simple du monde. Tagine de dernière minute, tranquille. On va commencer par couper la viande. Déjà, je vais prendre un couteau. On va découper notre viande en petits morceaux, comme ça. On va la mariner. Attendez, je coupe ma viande. C'est vraiment de tagine de dernière minute, là, vite fait. T'as des invités qui débarquent. Vite fait, bien fait. T'as pas le temps. On va laisser ce morceau-là. Enlever tout ce qui est graisse, c'est pas la peine. Bon, ça, je préfère le laisser comme ça parce qu'il y a des os. Ça m'évite de couper, je vais galérer pour le couper. Voilà mon morceau de viande. Ensuite, on va mariner tout ça. Mama Winner, je prends un bol hein, comme ça. Je nettoierai après. Je prends du poivre. Je prends du poivre. Du gingembre. Après, vous marinez selon vos convenances, bien entendu, du sel, de l'ail en poudre. Déjà, je vais mettre du curcuma. Je vais prendre chercher l'ail en poudre. Et où est mon ail? Je ne sais plus. J'arrive. Chercher de l'ail de l'ail. C'est de l'ail de chez Lidl, hein, comme ça. Aïe, oignon. Franchement, j'ai regardé. Ben voilà, ben de l'oignon. Tant qu'à faire. Je vais aller chercher l'ail. Mais déjà, je vais mettre du persil. J'ai oublié de mettre le piment doux. Et l'ail, surtout l'ail. Hein. Voilà, et l'ail. De l'ail en semoule, là. Et voilà. Et on va mettre de l'huile, de l'huile, de l'huile. Huile d'olive ou l'huile normale, voilà. Et on mélange tout ça. Alors, on mélange bien. Je vais rajouter de l'huile. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'eau. Je prends le premier truc qu'il y avait sous mes mains, un peu d'eau. Et voilà, je mélange tout ça. Et on marine notre viande. Et on laisse reposer. Le mieux, c'est de laisser reposer toute une nuit. Mais bon, moi, je vais pas laisser reposer ça toute une nuit. Juste le temps de qu'il se repose, qu'il se marine plutôt. Le temps de faire ma vaisselle, de ramasser un petit peu à gauche, à droite. Normalement, ça peut le faire. Voilà. Bon, moi, je vais nettoyer tout ça. Je vais remplir mes pots. Je vais faire un peu tout. En même temps, ça repose, tranquille. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Hein. Voilà, une demi-heure après, hein, à peu près. Hein, pas de... Je mets un peu d'huile. Je laisse bien chauffer mon huile. Je vais prendre un bout. Voilà, je laisse chauffer bien. Je prends ma viande. Je vais laisser chauffer l'huile déjà. Voilà. Je prends ma viande que je vais laisser griller. Comme ça. C'est un tagine qui se fait sur une poêle ou dans un tagine. Faites comme vous voulez. Moi, j'ai pris une poêle. Voilà. Je laisse comme ça griller. Je garde ma marinade. On va laisser griller comme ça. On va la retourner. Rien que vous voyez l'odeur comme ça, l'odeur. La couleur déjà, elle est belle. Voilà, vous voyez, ça grésille, on va laisser comme ça et je vais retourner tout à l'heure. En attendant, je prends un oignon que je vais couper, laver et couper en petits dés. Il est balèze. Hein. Je prends l'oignon, je vais mettre tout ça.
on ramassera après. Je vais nettoyer mon couteau et mon oignon et je reviens. Et voilà, et on coupe ça. Un petit dé, hein. Je crois que je vais retourner ma viande là de l'autre côté. J'arrive. Vous sentez pas l'odeur, mais moi j'ai l'odeur là. Voilà, on a bien grillé la viande. Je vais couper mon oignon. Voilà. Pas trop fin. Hein. Comme ça, ça suffit. Je vais mettre mon oignon. Quand ma viande est grillée, là je vais mettre mon oignon et laisser griller la viande. Voilà, je vais aller chercher des morceaux de carottes. Des morceaux. Moi j'ai des carottes congelées déjà coupées. Vous, si vous avez des vraies carottes, ben, vous les coupez en petits dés. Hein. Voilà, moi j'ai des carottes congelées que je mets là-dedans. Donc avec ma marinade, je vais rajouter de l'eau dans ma marinade. Vous voyez ma belle marinade, on va rajouter de l'eau. Bah, si vous voulez, je rentre devant vous. Attendez. Voilà, je fais tout devant vous, pas de triche. Voilà, j'ai pris un verre d'eau. Voilà. Une belle sauce. Je vais mettre mes carottes. Je vais aller cuire des pommes de terre pour faire des frites. On va mettre ça avec. Donc voilà, je mets mes carottes. Je mélange ça tranquillement. Donc voilà, je mélange tout ça, je vais mettre au couvert et on va laisser cuire une heure. Comme ça, la viande elle sera bien tendre, à feu doux, tranquillement. On laisse cuire tout ça. Le chapeau, le truc qui s'accroche à son chapeau. Voilà. Allez, je laisse cuire. De temps en temps, je viendrai surveiller, mélanger, voilà. Donc voilà, les petits loups, mon petit tagine, il est cuit. J'en ai pour 1h20. J'ai les cuits comme ça, à feu doux, tout doucement. Regardez la viande, elle est super tendre. Et voilà. Moi, je les mets à 3. Ça continue de cuire tout doucement. Bon, là, je vais l'éteindre. Je vais faire des frites. Voilà, je ne vais pas vous montrer. Et je vais mettre autour. Et ça fait un joli tagine. Voilà, il y a juste à arroser comme ça. Voilà, les petits loups, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, mes petits loups. Bye, bye.